une des choses qui peut peut-être nous bloquer le plus à passer le pas de l'entrepreneuriat, en tout cas c'est la conclusion que j'en ai tirée en discutant avec plusieurs personnes, c'est la peur. La peur de se lancer, la peur de l'inconnu, la peur que ça marche pas. En résumé, la peur. Sauf que le plus dur dans le passage à l'action, c'est de justement faire le premier pas. C'est ça qui va être le plus dur. Et ensuite, les choses s'enchaînent. On a des moyens de se lancer en tant qu'entrepreneur. Bien sûr, le risque zéro n'existe jamais, mais en prenant le moins de risques possible. Et donc moi, j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à perdre à vous lancer. Il y a notamment des aides financières pour vous lancer dans votre entreprise. Donc il va y avoir l'ACRE, c'est en fait un dispositif d'exonération des cotisations sociales. Parce que quand vous êtes à votre compte, vous allez devoir vous-même faire des déclarations et derrière il y a des choses à payer. Quand vous êtes salarié, tout ça c'est pris automatiquement, en fait toutes les cotisations sont prises automatiquement sur votre salaire, tandis que quand on est à notre compte, c'est à nous de déclarer, et puis il y a des choses qui sont à payer, mais tout ça, on nous envoie des emails, des rappels, on vous dit comment faire, vous inquiétez pas, quand il s'agit de payer, ils savent nous trouver. Hein. Donc pas de risque d'oublier de payer quoi que ce soit, tout est bien rappelé. Mais globalement, comme vous pouvez le voir sur ce petit tableau, en fonction de si vous faites des achats-reventes ou si vous vendez du service, l'exonération ne sera pas la même. Donc en fait, c'est à peu près 3 ans pour l'achat-revente. La première période, vous n'allez payer des cotisations sociales qu'à 3,2%, la deuxième période 9,6% et la dernière période 11,6%. Pour ce qui est des services, la première période, vous allez payer 5,5%, la deuxième période, vous allez payer 16,5% et la dernière période, vous allez payer 19,8%. C'est très intéressant parce que, alors pour les services, en tout cas pour tout ce qui est prestation de services, on est taxé à 22%. Donc, c'est-à-dire que moi, sur mon chiffre d'affaires, parce que je suis micro-entrepreneur, après c'est différent des statuts, on verra ça après, je déclare mon chiffre d'affaires et je paye 22% en fait sur ce chiffre d'affaires, et je le donne à l'URSSAF. Mais ça, normalement, quand on est salarié, ces cotisations sociales, elles sont prélevées directement. Donc moi, sur mon chiffre d'affaires, je redonne à l'État 22% de ce chiffre d'affaires. Donc le fait d'avoir l'ACRE, ça fait qu'au départ, je donne moins d'argent. Ça nous aide, parce que 22%, quand on n'a pas gagné grand-chose, c'est pas évident. Je vous mets les liens pour toutes les infos sur l'ACRE et dans la description. Attention par contre, sachez que la demande pour l'ACRE doit s'effectuer au moment du dépôt, c'est-à-dire au moment de la création de votre entreprise, ou alors vous avez 45 jours après la date du dépôt. Si ça fait 5 ans que vous êtes installé, malheureusement, il est trop tard pour pouvoir demander l'ACRE. Je sais que on peut, alors ça je la connais pas très bien parce que j'ai pas bénéficié de celle-là, donc je la connais assez mal, j'ai fait des recherches pour essayer d'en avoir le plus d'informations possible, mais vous pouvez aussi bénéficier de l'ARE, c'est une aide au retour à l'emploi, et donc je sais qu'il y a certains entrepreneurs qui soit sont tombés au chômage, soit ont fait une rupture conventionnelle avec leur entreprise, et ont du coup pu bénéficier de l'ARE, et ça aide aussi à avoir un peu plus d'argent. C'est une allocation en fait. Le temps que notre entreprise décolle, on gagne pas beaucoup d'argent, recevoir cette allocation peut nous aider. On peut également bénéficier du RSA en même temps, hein, parce que en fait on va déclarer son chiffre d'affaires tous les trimestres, et en fonction du chiffre d'affaires que l'on déclare, la CAF, elle, derrière, fait son calcul et voit si elle nous verse, oui ou non, un montant du RSA. Donc, plus vous gagnez, moins vous gagnez d'allocations, ce qui est complètement logique. Hein, on souhaite à tous de plus avoir besoin de gagner d'allocations. Mais en tout cas, au départ, ça peut vous aider. Hein, c'est un petit plus, bien sûr, c'est pas énorme, mais c'est un petit plus qui peut vous aider. Et puis, il y a également la prime d'activité, qui est aussi distribuée par la CAF, donc il faut y faire la demande sur le site de la CAF. Et donc ça aussi, c'est une petite aide qui, chaque mois, ça fait un petit peu d'argent, qui peut vous aider au moment du développement de l'entreprise. Après, on peut faire des prêts, soit à la banque, soit à des organismes, mais là, j'avoue que je suis
pas très bien calé là-dessus, et puis ça dépend de son projet. Mais voilà en tout cas les aides les plus simples à avoir et qui vous permettent vraiment de donner un coup de pouce si en plus vous avez peur de vous lancer parce que au niveau de l'argent vous dites si ça marche pas, bah est-ce que je vais subvenir à mes besoins. Il y a des aides en place, en tout cas mises par l'État. On a quand même cet avantage en France d'avoir une facilité à pouvoir se lancer. C'est absolument pas le cas dans plein d'autres pays européens et même en dehors de l'Europe. On a quand même cette chance en France. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire et je vous y répondrai. Ou je vous réorienterai vers quelqu'un de plus compétent que moi si je n'ai pas la réponse. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt !